m'appelle Roland Dumas, j'ai 68 ans, je suis médecin anesthésiste réanimateur, en retraite depuis 2007, je devrais dire en pré-retraite, puisque je continue à exercer mon activité de réanimation à temps partiel. Et j'habite en Moselle, le long de la frontière, tout près de la ville de Sarrebruck. Étant administrateur au niveau de la Caisse d'épargne Lorraine-Champagne-Ardenne, j'ai donc été aux premières loges pour assister à la naissance de Natixis. Donc c'est finalement en toute confiance que j'ai acheté des actions de Natixis tout à fait au départ, dans leur mise en vente, hein, donc au prix fort. Ensuite, bon, j'ai assisté comme tout le monde à la dégringolade de Natixis. Et puis quand le New Deal, le plan de redressement a été rendu public, bon, j'ai repris confiance et du coup, j'ai moyenné à la baisse mes actions, quoi. Donc j'en ai racheté. C'est vrai que je viens, donc, comme je l'ai dit, du monde médical. Donc le monde financier, pour moi, m'était relativement étranger jusqu'à ce que je sois administrateur au niveau de la Caisse d'épargne, donc de Lorraine-Champagne-Ardenne. Alors, le monde de la finance m'attire, m'intéresse, mais en même temps m'inquiète un peu par tous ces excès. C'est la raison pour laquelle j'ai postulé au CCA de Natixis. Alors écoutez, moi j'ai un métier médical. Dans le métier médical, une des principales qualités, c'est la rigueur. Il faut de la rigueur dans le diagnostic, la rigueur dans le traitement, etc. Donc si je peux apporter de la rigueur dans les débats, dans la lecture des documents, etc., je pense que je pourrais être utile. Tout en n'ignorant pas, tout en sachant que je reste quand même un profane dans le domaine de la finance. Alors aujourd'hui, c'était ma première réunion. Donc la première réunion, généralement, on écoute et on apprend. Enfin, j'ai déjà vu qu'il y avait de la convivialité et du travail sérieux. Donc, c'est le bon augure.